Bonjour tout le monde, bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tirage de cartes avec l'oracle des fées, lumière de fées. Je vais laisser mon petit chevalet ici pour vous donner la température générale du tirage. Toujours la même chose, bon, en fait je le fais pour moi et je le partage pour la suite. Ceux qui veulent se pardonner, voilà, c'est l'énergie du pardon, se pardonner. Ça va être le sujet du jour, le pardon. J'avais dit que je ferais une vidéo sur le pardon et puis du coup, je ne l'ai pas fait. Se pardonner. Il y a quelque chose que vous avez comme comportement, comme attitude qui est à changer. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, pour vous retrouver, pour être avec les autres. Se pardonner. Je veux bien une petite précision. Alors, elle est un petit peu trop proche de moi, j'arrive pas à battre les cartes, je vais la mettre là. L'énergie du pardon. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans cette vidéo, je vais vous parler du pardon. Hop. Se pardonner, en fait, exige que l'on mette fin à la critique de soi, à la critique de ce qui a été, au jugement. Voilà. Au jugement de valeur. Hop. Enfant intérieur. Et il y a une carte surprise. Donc, enfant intérieur, regardez-vous. Ça, c'est vous. En train de faire des bulles. C'est-à-dire, au lieu de travailler, vous vous amusez. Et il se peut que ça engendre un discours parental, automatique, qui peut-être ne vous appartient pas. Peut-être que vous ne diriez même pas ça à votre enfant. Du style, au lieu de t'amuser, tu ferais mieux de. Donc, l'enfant intérieur, lui, est content quand vous tenez compte de lui. Puis ensuite, il se mettra au travail. Voilà, c'est l'enfant intérieur critiquer en fait la partie pas sérieuse, la partie qui a peur, la partie qui a besoin en fait d'être rassurée ou qui a simplement besoin de lâcher un peu la pression. Autre carte, c'est ralentissement. Donc, vous êtes invité à aller moins vite. Voilà, à aller moins vite, à prendre le temps de regarder les choses, de regarder le paysage, de savourer. C'est un escargot violet, c'est faire preuve de sagesse que d'aller à un rythme plus naturel. Voilà. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les synchronicités. Les opportunités vont arriver à vous. Des opportunités pour attirer, donc toujours pareil, l'abondance. Hein, c'est une carte or, l'abondance. Accueillez ce qui vient. Pas de jugement. Si vous envoyez un mail et que vous avez oublié la pièce jointe, c'est pas grave, vous avez oublié la pièce jointe, vous vous pardonnez, vous ne vous critiquez pas. Peut-être parce qu'à ce moment-là, vous avez simplement le désir de prendre vos crayons de couleur, de mettre de la couleur sur une feuille, voilà, par exemple, vous voyez. Comme si vous êtes au secrétariat, à ce moment-là, vous êtes envie de mettre en fait de la couleur sur une feuille. Je crois que mon tirage en fait va être très très court, c'est ça l'énergie du pardon, c'est une énergie très, comment dirais-je, insouciante, on fait preuve d'insouciance, sans lâcher tout ce que l'on a envie de faire, hein. Elle tient quand même sa bouteille où elle pourrait mettre des vœux, ce qu'elle souhaite, hein. C'est le moment aussi d'en profiter pour renouveler vos vœux et pour voir plus grand, c'est une période de remise en question quelque part, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que tout ce qui a été est juste, tout ce qui n'est plus, vous lâchez, voilà. C'est en fait aimer la personne que vous allez devenir, voilà. C'est ça l'énergie du pardon, c'est aimer la personne que vous allez devenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt.